L'obscurité domine tout le long de cette artère, l'avenue Charles de Gaulle, une des grandes avenues de la capitale. Il est 20h, aucun lampadaire sur cet axe n'est allumé. Des poteaux électriques complètement coupés et des ampoules qui ne marchent pas du tout. La visibilité est nulle. Seuls les phares des engins sont visibles. Dans d'autres artères, à l'exemple de l'avenue Méry et Mobutu, la ville offre le même décor la nuit. Les lampadaires solaires sont aussi éteints. Le noir déchire la quiétude des usagers qui ruminent leur colère. Pour le moment, nous voulons, si nous n'avons pas arrangé le courant, il y aura beaucoup de problèmes. Il y a des voleurs, il y a des cambrioleurs, il y a tout. Il y a des gangsters, ceux qui prennent la moto des gens, ceux qui arrêtent les paniers des femmes ou bien comme ça, même il y en a. Tellement que c'est noir. Nous, les taximens, on n'arrive même pas à voir les clients. Il n'y a pas de lumière. Ça provoque les vols, les accidents. L'accident de circulation, voilà un qui s'est produit devant nos caméras dans cette obscurité. Puisque la gestion de l'éclairage public relève de la voirie, une des institutions de la mairie, nous nous sommes rendus là-bas. Question d'avoir les raisons de ce dysfonctionnement. Mais les responsables ont opposé un refus. En attendant que la ville soit éclairée, la population n'a pas d'autre choix que de se résigner.